Vous, méfiez-vous. Be careful. Soyez attentifs, je peux sauver sa vie rapidement. Amen. Faites attention, vous comprenez? Faites attention. Je vous ai vu dans votre travail, attaquant. Oui, papa. Attaquant, hein? Oui, papa. Attaquant, attaquant, attaquant. Attaquant. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Mali. C'est son surnom, Mali. Le jeune homme, c'est aussi un basketteur comme vous. Oui, papa. Et ce basketteur, il y a un problème. Et il va demander à deux basketteurs que vous connaissez de vous assassiner. Vous me suivez? Oui, papa. Pour une histoire banale, l'histoire d'une cliente, d'une fille. Et j'ai vu Mali, demander à Adamu. Il y a un autre basketteur, un gars du Nord qu'on appelle Adamu. Oui, papa. Qui travaille avec vous. Il a son ami aussi qu'on appelle Amadou. Oui, papa. C'est ça? Il a son ami qu'on appelle Amadou. Il y a même un troisième qu'on appelle Sali. Sali, c'est des gars de Bertois. Oui, papa. C'est ça? Vérité, papa. D'accord. Écoutez-moi bien. À cause de la fille que vous avez portée, qu'on appelait Sorel, votre cliente, moi je vous donne le nom de la cliente. Et Mali voulait prendre la fille. Et la fille a choisi votre moto. Hein? Vous avez commencé à discuter avec Mali. Et il y avait Blaise, qui est aussi un ami à vous, un basketteur, qui a commencé à dire à Mali que comment la cliente est libre de choisir qui elle veut. Elle a choisi sa moto, pourquoi tu lui fais la guerre? Mali s'est fâché contre vous. Il a vu Adamu et Amadou. Il leur a demandé si c'est possible de te poignarder. Quel est ce Dieu? Ta'in hello. Tematawa inna hello bi. Sorabana odol feras. Maintenant, laissez-moi vous poser. J'ai d'accord avec vous. Pas d'accord, papa. C'est votre quantité qui va venir au programme ici. Qui vient à quoi, bang, papa? Il n'est jamais venu ici. Il n'est jamais mais venu. Moi, regardez. Si cet homme n'était pas venu. Non, je parle aux gens qui disent qu'aller à l'église, ce n'est pas bien. Ces gens-là peuvent-ils vous annoncer les conspirations de vos ennemis? Si le jeune homme s'il n'était pas venu, comment aurait-il su qu'on veut le poignarder? Sérieusement. Ce que vous faites ici, je vous dis la vérité, c'est rien. Dans 5 ans, écrivez ce que je vous dis. L'homme-ci, dans 5 ans, l'homme-ci sera le papa de votre famille. Merci. Dans 5 ans, Dieu m'a dit dans 5 ans, regardez ce homme-ci, ce sera un homme d'affaires international, des millions et des millions, un multimillionnaire de ce homme-ci. C'est pour ça que Dieu m'a révélé la conspiration qu'il y a contre vous. Dieu va vous amener très loin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous me connaissez quelque part? Non, laissez-moi vous montrer une chose. Est-ce que je peux lui révéler le plan de Dieu pour sa vie? Amen. Vous aviez un ami à l'époque qu'on appelait Justin. Hein? Oui, papa. Justin. Oui, papa. Le gars a commencé à prendre la mécanique. Il a commencé à prendre la mécanique. Mécanique, il est devenu mécanicien. Le Seigneur m'a dit que Justin va venir vers vous. Et Dieu va lui donner une connexion. Et il va vous connecter à cette connexion. Vous allez faire dans la mécanique, les voitures, les pièces détachées. Et vous allez monter, 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 monter. Vous aurez des garages. Amen, papa. Hein? Il aura des garages partout. Des ventes de pièces, des pièces détachées. De grandes marques de voitures. Celui-ci est un importateur international. Oui. Papa, c'est mon petit frère qui fait dans la mécanique. Hein? C'est son petit frère. Le jeune homme-ci. Le jeune homme-ci. Actuellement, il est policier. Non, laissez ça, c'est zéro. Le jeune homme-ci, c'est zéro. Le type-ci aura des garages. Il aura. Vous dites que c'est son petit frère qui est mécanicien. Oui, papa. Son petit frère va acheter les pièces chez lui. Amen. Tout ce que je lui dis, hein? Oui, papa. Vous connaissez Adamu? Hein? Vous,
connaissez Adamo? Adamo, non. Vous connaissez Amadou? Amadou. Vous connaissez Mali? Non. Vous connaissez Ghislain? Non. Vous connaissez Sorel? Je connais Sorel. Vous connaissez Sorel? Oui, papa. Bon, tout le reste, là, moi, je peux vraiment vous connaître. Je ne suis pas de votre famille. Vous ne savez pas, vous ne savez rien. Hein? La même chose, le même Dieu qui m'a fait voir ces choses que vous ne connaissez pas. C'est le même Dieu qui m'a dit que l'homme-ci. Oui, papa. Merci. L'homme-ci. Vous, attendez. Dieu est habillé ma chine. L'Esprit de Dieu est descendu ici. Je déclare ta richesse au nom souverain de Jésus. Vous avez déjà vu qu'on vous dise qu'un policier multimillionnaire. Vous avez vu ça où? Le policier a combien? Je sais pas. Dieu va changer votre vie littéralement. Amen. Littéralement. Amen. Merci Seigneur. L'homme, si il va demander la retraite anticipée, tapez ma main. Tapez ma main. Tapez. Amen. Amen. Bon.